Bonjour à tous, aujourd'hui la web TV du Cheveu sur la Langue accueille Marco et Arthur pour parler de la nouvelle association Think Libéral qui a été créée il y a peu à Sciences Po Grenoble. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ? Moi je m'appelle Arthur Marsan, je suis étudiant en première année à Sciences Po Grenoble et je m'occupe de l'organisation des conférences. Moi c'est Marc-Antoine Momont, étudiant en première année également et je suis le secrétaire donc de Think Libéral Sciences Po Grenoble. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce projet et de la vocation de cette nouvelle association ? Clairement, en fait, on a pu s'apercevoir que le débat n'était pas très vif à l'IEP et d'où l'idée de créer une association de débat et notamment de débat autour du libéralisme, des valeurs libérales. On n'est pas une association à vocation politique, on n'est pas une cellule du Parti libéral démocrate, loin de là. Mais on questionne le libéralisme, la place du libéralisme aujourd'hui dans le monde, dans notre société, que ce soit le libéralisme économique, le libéralisme politique et toutes les formes de libéralisme d'une manière générale. Et sinon, cette association Think Libéral, qu'est-ce qu'elle propose justement pour promouvoir le débat ? Pour promouvoir le débat, ce qu'on propose le plus souvent, ce sont des cafés-débats qu'on organise à la table ronde. On essaye de le faire une fois par semaine, quand c'est possible, autour de sujets qui peuvent être économiques ou sociaux. Là, on a organisé récemment un café-débat sur le revenu universel, c'était assez intéressant. Sur la légalisation de la drogue. Voilà, la légalisation des drogues. Il faut savoir que nos cafés-débats sont ouverts à tous. Donc, le plus souvent, la majorité des participants viennent de l'IEP, mais on a également des étudiants qui viennent de GEM, de l'INP, et on a de temps en temps des membres de la société civile qui viennent compléter nos débats, donc soit des actifs, des entrepreneurs. Donc ça c'est la première chose qu'on organise. On organise également des conférences, à l'IEP. On va essayer d'organiser deux types de conférences, des conférences avec des spécialistes, des professionnels, et des conférences un petit peu plus débat, notamment si on peut confronter deux économistes, ça peut être assez intéressant. Par exemple, un économiste, des économistes atterrés contre un gros libéral, ça peut être assez enrichissant. Des sortes de petites conférences qui se feraient plutôt en salle, et là ce serait pour discuter sur des thèmes donnés, un peu sur l'idée du café débat, mais là ce serait plus plus intellectuel, ouais, dans une démarche plus un petit peu plus scolaire entre guillemets. Donc voilà, là, après vous pouvez nous retrouver également dans les couloirs à nos ventes de gâteaux ou autres événements de ce genre. Et du coup, vous avez lancé une campagne de crowdfunding pour faire appel à des dons pour financer cette association. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce moyen de financement plutôt que des subventions, par exemple, de Sciences Po ? Comme l'a dit Marc-Antoine, on cherche une indépendance. Et là, l'indépendance se traduit par rapport à l'administration. Et du coup, on voulait chercher nous-mêmes les fonds. Ça rejoint l'idée du libéralisme. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à la contribution des utilisateurs qui souhaitent voir se concrétiser le projet. Clairement, l'argent déposé sur Ulule va servir en fait tout simplement à financer le déplacement de nos conférenciers, les frais fixes, les frais que peuvent engendrer une conférence. Location des installations, les frais de fonctionnement d'une association. C'est intéressant de voir qu'il y a une certaine cohérence dans le projet puisque le libéralisme c'est s'écarter de l'État et là on a cette même volonté de s'écarter de Sciences Po. Est-ce que dans votre association on a que des gens qui sont vraiment attirés par le libéralisme, on va dire, porté par la droite ? C'est l'image que les gens ont souvent de notre association depuis qu'elle a vu le jour, ce qui est au final à nuancer. Parce qu'on va avoir des personnes qui sont beaucoup plus libérales économiquement, d'autres beaucoup plus sur les libertés sociales, ou les même libertés politiques. Donc on a une diversité au final dans notre association parmi nos membres. On est là pour l'instant, on est 16 ou 17 membres. Nous avons des libéraux de gauche, des libéraux de droite. Il y en a qui sont libéraux politiques, mais qui ont un petit peu de mal avec le libéralisme économique. Et justement, le but de l'association, c'est de créer ce débat au sein des partisans du libéralisme, quel qu'il soit, et on n'a pas un dogme à suivre. On questionne le libéralisme aujourd'hui
Et c'est ça qui est assez intéressant et qui nous distingue d'une organisation politique. Voilà, on invite réellement au débat et on est vraiment ouvert à toutes les philosophies et tous les points de vue. Ok. Eh bien, nous vous laissons dans la description de cette vidéo le lien vers le site de Ulule pour le crowdfunding de leur association. On vous invite à participer au projet si l'idée vous intéresse. On vous invite à aller sur la page du Think Libéral. Ils sont ouverts à répondre à toutes vos questions.